Bonjour les enfants. Bon, troisième jour. Alors je descends à pied. Je ne prends pas l'ascenseur. Ah! Je crois que c'est la sonnette. Oh là, je touche pas, je crois que c'est la sonnette. Vous n'allez pas me voir. Chahine! Elle est où la lumière? Non, c'est la sonnette, non? Non, c'est la sonnette. Oula! J'ai sonné chez des gens. Vite. Je crois que j'ai sonné. En fait, c'est quoi ça? C'est la sonnette ou c'est les. Ou c'est les. Ah ouais, j'ai sonné chez des gens. On ne voit pas. Je croyais qu'ils allaient arriver avant nous. On a été plus vite à pied. En tout cas, l'ascenseur est toujours bloqué. On a bloqué l'ascenseur de l'immeuble et ils n'ont toujours pas réparé. Attendez, je vais leur dire que je serai là-bas, quoi, quand même. Je croyais qu'on allait arriver avant moi. Je crois que personne n'est arrivé avant moi. J'ai sonné, je voulais allumer la lumière, j'ai sonné chez les gens. Ouais. Il est où, mon collègue? Il est où, la glacière? Ah, il avait peur de monter? Il avait la glacière, c'est pour ça. Ah ouais, c'est vrai qu'une glacière, ça fait deux personnes. Bon allez, on va aller à Calpe. On va à Calpe et on va aller visiter. Peut-être qu'on va aller se baigner, on a mis le maillot. On sait jamais. Sinon on va visiter la ville. Ça dépend ce qu'il y a en fait, on sait pas. On verra. On a quand même pris les serviettes. Ouais, alors, j'ai de la musique, j'ai pas de musique. Absolument pas de musique. Absolument pas de musique. Oh, qu'est-ce que je suis vilaine, comme ça on dirait. Pour une fois qu'elle dit qu'elle est pas belle. Allo, allo, c'est Manu dans le 6-9. Alors aujourd'hui, nous on se retrouve. C'est parti, les amis, pour un prochain tour. C'est parti, les amis, c'est parti. C'est cru, ouais, c'est bien une musique. Ouais, ouais, tu te crois la fête foraine, toi, carrément. Bon, allez, à toute allure, les enfants. Regarde, on dirait que j'ai les cheveux courts et la fringe, tu sais. C'est pas que, mais qu'est-ce qu'on va devenir dans 10 ans? Restez à gauche, et puis au rond-point. Prenez la deuxième sortie. Il faut qu'il me coupe la parole, le GPS. On est arrivé à Calpe et le peu qu'on a vu, ça a l'air trop bon. Prenez la deuxième sortie. C'est un village, mais pas trop touristique. C'est plutôt un village. Comment on appelle ça? Un joli village. Comment on appelle ça? Dans 800 mètres, tournez à droite. Comment on appelle ça? Tournez à gauche. Un village, tu sais, mais pas touristique. Un joli village à visiter, mais pas touristique. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous filmer. Wouh, des frites du McDo! Bref, je vous retrouve pour vous filmer la playa. Donc là, vous pouvez observer qu'il y a moi et Dunia qui dansent au milieu. Donc c'est ma plage privée et il y a mon bateau là-bas qui vient chercher des croisières. Donc oui, bien sûr, je gagne tous les sous dessus. Et merde, je voulais vous montrer le rocher, mais c'est trop tard. Ah oui, c'est Tissène qui l'a. Donc là, vous avez exactement. Vous avez l'appartement Ibiza. Donc bien sûr, c'est moi qui l'ai créé. Vous vous doutez bien. Et là, vous avez ma tour privatisée où non, j'habite pas ici parce que c'est pas très beau, mais regardez le monde de Kia. Donc on s'est arrêté là, à moins de se mettre sur le parasol des gens. Je sais pas, on va se mettre. C'est blindé. Tissène, elle est énervée. Dunia, elle suit le rythme. Et voilà. Mais sinon, c'est super beau. Le rocher là-bas, il est trop beau. Je sais pas si vous voyez. Il y a des tortues avec les poissons. Il y a même les pigeons à côté de nous. Oh, il est blanc celui-là. J'aime trop les tortues. Regarde, les tortues d'eau. Ah, mais il y en a plein. Regarde, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq. Pourquoi tu veux prendre une tortue? Tu vas la mettre où? Il y a des tortues d'eau, ça. Sur ta tête. Il y en a plein. Oh, c'est trop mignon, on dirait moi quand je nage dans l'eau. Ouais, trop, ouais. En fait, t'as la même tête, c'est vrai que t'as la même tête que les tortues, toi.
Vous savez quoi? Il fait une chaleur de parapapéticienne. Ouais, para? De quoi? De douleur. Parapharmacie, non, aussi. Mm. Parapharmacie aussi, non? Ouais. C'est pas para, c'est péri. Péripapéticienne? Je crois, hein. Non, c'est parapapéticienne. Non, je crois pas. Bien. Voilà, on a cherché un coin pour bouffer. En fait, on a voulu s'éloigner de Calpe et aller dans... Ouais, d'accord, génial. Waouh, génial. Il nous passe la tondeuse maintenant que vous êtes installé. C'est pas les gosses, c'est la famille. Ah, c'est pas possible, ça, hein. Excusez-moi, et... monsieur, est-ce que vous pouvez repasser plus tard? Et en plus, il est content, quoi, hein. Il est motivé, hein, le mec, hein. En plus, ça va sentir l'air de bouffer, si on passe de l'odeur. J'adore. Il est fait. Moi, je disais donc, si vous m'entendez, parce que je vais gueuler un petit peu quand même, là, après, vous direz pas que je parle fort. Que, on a cherché, on a voulu aller dans une autre ville chercher une plage moins, moins bondée. Et finalement, comme elle a dit Dounia, on se croit où? En Chine. Voilà. On se croit en Chine. Je sais pas pourquoi t'as dit Chine. Je sais pas pourquoi. Tu l'as pas dit ça. Donc on se croit en Chine, les enfants. Qu'est-ce que c'est que ce nichon blanc que j'ai? Horreur. On se voit, franchement, c'est blindé de monde. Je suis dégoûtée. Je déteste aller à la plage quand il y a du monde. On va la fermer, c'est de là, j'en ai marre. Juste, ce que je voulais dire, c'est qu'en vrai, il aurait pu pas venir maintenant, quoi. Surtout qu'on a décidé de manger, quoi. Ouais, c'est pas comme si on venait se poser. Ils ont même fait bouger les gens, quoi. Ah là, mais c'est pas possible, ça, on a j'étais cherché... tranquille pour se sucher dans leur petite herbe là. On a cherché... J'aurais dû dire à papa qu'il me ramène les claquettes, je suis des orteils. Tant mieux. Fais-le. Ça prendra à faire les belles, à mettre ça. Mais parce qu'on était censé visiter, hein, au final, voilà. Non, non, t'as mis le maillot, c'est pour aller à la plage. Hein. Je suis énervée, regardez ce qu'ils nous font. On est encore pire. Attendez. Vous croyez pas qu'on va recevoir de l'herbe partout? Ouais, c'est trop trop beau. C'est une crique en fait. Ouais. Bon, on a trouvé une crique. Du coup, on se baigne ici. On a trouvé, il n'y avait personne, il n'y a pas un chat quoi dans la plage. Alors par contre, le seul truc, c'est que il y a plein de rochers là. Il faut faire attention quand on marche. Mais mais il y a des poissons. Oui, elle va sous l'eau. Ah, avoir les poissons. Ouais, je vais essayer de filmer les poissons. Attention. Oh, c'est froid. En plus, j'ai envie c'est de pisser, vie. Con. Déjà, j'essaye de marcher. La caméra doit bouger dans tous les sens. Bon, ils sont où les poissons? C'est ça la merde? Vous avez chié ou quoi? Ouais, j'ai pété. Ah, oh, d'accord. Ouais. Ils sont où les poissons? Ils sont là-bas, à côté des roches. Ah. Ou sinon, là, tu devrais en avoir aussi. Ça y est. Normalement, c'est à côté des grosses roches là-bas. Ils te parlent. Oui, c'est mieux. Attendez, regardez, ça va faire des bulles. Regardez derrière moi. Ah, ça fait des bulles, j'ai pété. Attention. Ah, regardez, il y a des poissons là, je vais vous montrer. Quoi? Oui. Ah, vas-y, Chahine, il va filmer les poissons. Tiens, je vais filmer après. D'accord. Eh, vas-y, filme. Non, je vais les filmer. On va bronzer, mais un truc de fou. C'est vrai? Et toi, tu as bien vu? Tu as bien vu? Oui, j'ai essayé. Trop bien, il m'a filmé un beau truc. Qu'est-ce qu'on est bien à la mer quand il n'y a personne. Ah non, parce que tout à l'heure, j'étais dégoûtée, j'étais en dépression. Parce que je voyais une plage, mais bondée de chez bondée. Et je déteste ça. Me mettre avec les gens. Moi, la foule, ça me stresse en fait. Je suis stressée quand il y a de la foule. Donc, je suis très contente. Bon, mais je vais pas filmer toute la journée, moi, dans la mer. Je vais m'amuser un petit peu quand même, non? Et puis voilà. Allez, à toute allure. Regardez ce qu'on a acheté. Nos beignets favoris de l'Espagne. Ceux qui suivent mes blogs, ils savent. Les autres, mais je vous l'apprends. Oula. C'est la gueule de la coupe en mongolita, s'il vous plaît. Je voulais juste vous dire que j'ai attrapé un sacré coup de soleil, n'est-ce pas Dounia? Ouais. Regardez. Elle est toute rouge. Regardez-moi ça.
crois que j'ai la trace du nœud, je crois. Hein. C'est ça, j'ai la marque ouais, du nœud. J'ai trop coup de soleil comme d'habitude. Voilà. Allez, lève-toi. Voilà. On a fini, on rentre. Voilà, c'est fini, on rentre dans la voiture. Je suis fatiguée. Et j'ai ma tête. J'ai chaud. J'ai une sale gueule. Et qu'est-ce que je pourrais dire encore? Et je peux plus porter de sac. Du coup, heureusement, Dounia est là. Elle va me porter le sac. Je t'ai porté ça? Oui. Vu que t'es mon porte-clés, toi et Tissène, en ce moment. Voilà, ben, vous serez toutes les deux mon porte-sac à moi. Voilà. Faut que je vous dise un truc. De la cheville, elle s'est assise, elle m'a dit attends s'il te plaît je vais tomber dans les pommes. Tu vois pas ma cheville comme elle a fait? Non. Moi j'ai pas entendu, j'ai tout entendu ta blague. Tu vois ma cheville comme elle a fait, ça m'a tourné l'œil. L'œil carrément. Elle s'est tordue la cheville. C'était notre, pourquoi ça me met ça juste, c'est rien. Ok, bref, je disais c'est notre séjour de poisse. Ça c'est le Dieu qui l'a puni. Parce que j'ai dit qu'il me tient la serviette, elle a dit. Oh putain, je crois que ça avait pas filmé. Bon, je vais vous réexpliquer quand ça a pas filmé. Elle vient de se tordre la cheville. Elle s'est assise et nous a dit qu'elle allait tomber dans les pommes. Mais oui. Ça m'a fait tourner de là. J'ai cru que j'aurais regardé les trucs à la télé. C'est mort. C'est bon, j'ai plus mal. Elle nous a fait tout ça pour nous dire ça y est, j'ai plus mal. J'ai mal, mais oui, voilà, ça y est. Quelle menteuse. Tu tordis le pied dans le trou là. Ok, elle a fait comme ça. Et en fait, j'ai fait comme ça. Ah, je peux pas. Non, mais non, en fait, mon pied s'est carrément retourné, ma cheville. Ouais, alors, c'est ça, je me suis fait une entorse. T'es fait une entorse? C'est sûr, je me suis fait une entorse, c'est obligé. Tu peux marcher? Oui, mais j'ai mal. C'est normal, c'est sûr. Parce que demain, je vais avoir le pied gonflé. Parce que mon pied, je vous explique avec l'autre. Oui, on a en fait, je suis descendue là. Et mon pied, il a fait comme génial, ça. Génial, tu vas être belle. Si tu t'es fait une entorse, tu vas devoir mettre, tu sais, le truc dur là. Mon pied, il a fait comme ça. En fait, mon pied, il s'est tellement tourné du vide que le pied, il est resté droit comme ça. Ouais, mais c'est pour ça, là, t'as mal parce que c'est sur le cou. T'as, tu sais, c'est le. C'est pour ça, je crois que je m'étais cassé le pied. Ouais, voilà. Allez. la petite truc de poisse. C'est normal. C'est pourquoi je vais tomber dans la porte, parce qu'il m'a dit on a entendu craquer. Du coup, ça m'a fait tourner de l'œil. On dirait Rosace, sauf qu'il y a un gros rocher là-bas. Là aussi, il y a un rocher devant moi. Excellent, Tisha. Ouais. Check-moi ça. Elle t'a mis un vent là, je te jure, elle t'a mis un vent. Tornade, je préfère. Ouais. Ouais, on dirait Rosace, là on marche et... Bon, Tissène, elle a été trop peureuse. Trop heureuse. Trois. Avance quand même. On fait pas la liaison. Trop heureuse, non. Trois. Trop heureuse. Non. Dounia, elle fait la liaison entre trop et heureuse. Elle a été trop heureuse, elle a dit. N'importe quoi, c'est trop. Ça existe pas la liaison. N'importe quoi, c'est. Il y en a qui le font. Mais bien sûr, calmez-vous. Dites-moi si ça se fait la liaison. Regardez, ouais, bref, on s'en fout. Regardez, j'ai trouvé. Non, ça se fait pas parce que après, tu crois, on dirait qu'elle a peur. Elle est. Oui, c'est pour ça que j'ai fait quoi, trop heureuse. Ouais, enfin, moi, je suis sûre qu'on l'a fait la liaison. Non. En fait, je vous explique. Je cherchais. Bon, ça, c'est écolier. Vous allez en voir partout, vous en avez déjà vu, ça va sortir. Et en fait, je voyais tout le monde avec, enfin tout le monde, entre guillemets, sur Insta, et j'ai vu des gens dans ma ville. J'ai cherché sur internet, j'en ai trouvé un sur un site de fabrication, c'est une meuf qui le fabriquait, 14 euros, et je crois 4 euros de frais de port. Et là, je l'ai payé 5 euros. Voilà. Je suis trop contente. J'ai cherché partout, je savais que j'allais le trouver à la mer. Tout ça pour ça. Voilà. Voilà, tu as une de me dire quoi ça? Ou... pour les escaliers. Encore? Oh là là, oui, j'ai 8 étages à monter à pied. Mais en plus, je me suis cassé le pied, presque, parce que j'ai mal. Et bien, je sais pas si je vais les monter à pied. Je crois que je vais serrer le cul et prendre l'ascenseur. Hein. On verra. Vous saurez ça plus tard, tout à l'heure, je vous dirai. Ils vont faire quoi, eux? Qui? Un spectacle? Ah, du train. Ah, ok. Ah, il y a un train? C'est gratuit? Non. Mais filme pas un gros plan. Finalement, je suis à l'ascenseur. J'étais censée monter à pied, mais je peux plus marcher, j'ai mal au pied. Dis-toi que là, on a encore des étages, ça s'est bloqué qu'au 7. Hein. Non, ça s'est bloqué au 8. On était entre le 8 et le 7, puisqu'il y avait ça de marche en bas. Arrête de me filmer de près. Vraiment, là.
On est tout défoncé. Restez avec nous. Est-ce qu'on va être coincé? On est resté bloqué au. On est resté bloqué entre le 7 et le 8. Même si on reste bloqué maintenant, je sais quoi dire à la femme. J'ai réussi hier. C'est toi, j'ai le stress dans le ventre. T'imagines qu'on était dans le vide? Attends. Elle va nous faire tomber le truc avec son gros corps. Ouais, c'est bon, on est sorti. On est sorti. On est chez nous là? Oui. Ça fait le ménage? Ça fait le ménage? Bon, on rentre. Bon, voilà, allez. Sur ce, les enfants. Je suis là avec la claquette. Ouais, ils sont là. Il a bébé, c'est claquette toute la journée celui-là. On va dire bonne nuit. Parce que je vais aller me coucher. Je vais me doucher le corps vite fait et je vais me coucher. Allez. Attends, vous me verrez mieux. À demain. Bonne nuit. Je vous ai laissé. Et je ne vous ai pas laissé au bon endroit. Regardez ce qu'elle a fait. Elle vient de s'ouvrir le corps. Avec quoi t'as fait? Avec le placard. Genre, tu sais, le placard qu'il y a dans le placard. Ouais. Elle vient de s'ouvrir le sourcil. Non, mais je rêve. Mais c'est, il est maudit ce jour. C'est pas possible. Je suis alors, tellement c'est ouverte ou pas? Je sais pas. Attends, je regarde pas trop parce que je risque de tomber dans les pommes. Tiziane, regarde. Essuie, voir. Bon. Mais je vous en dirai plus demain parce qu'on est crevés. Regarde, on va aller voir si c'est ouverte quand même. Je voudrais pas l'amener à l'hôpital. Et puis je vous en dirai plus tard ou demain. Allez, bonne nuit.